Le confinement va peut-être se compliquer pour ceux qui font les courses en supermarché. Désormais, pour éviter la concurrence avec les petits commerces, les grandes enseignes ne devront vendre que des produits essentiels. Alain Darégrand et Mathilde Baron. Un rayon livre de grande surface entièrement recouvert. C'est l'initiative de ce dirigeant new-yorkais dès vendredi, bien avant l'annonce du Premier ministre. Alors ici, on trouve tout le rayon librairie. Alors sur cette partie-là sont tous les livres poches. On a par là-bas tous les livres enfants, les bandes dessinées, tous les livres de cuisine, enfin l'intégralité des livres. On a considéré que tout ce qui était en équivalence avec une librairie, nous on l'a clôturé de façon très ferme, très affichée. Un geste spontané par solidarité envers les libraires, plutôt apprécié par les consommateurs. C'est une bonne solution, parce que pourquoi privilégier les grandes lignes alors que les petits commerces, on leur dit de fermer. C'est très bien, après, ils devraient aussi laisser ouvert les librairies. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là à ce moment-là. Hein ? Je ne sais pas, anti-fermer les chaussures, les vêtements. D'autres marchandises jugées non essentielles mais concurrentielles vont-elles aussi disparaître des rayons ? Pour le moment, c'est le grand flou. Xavier Demacte s'interroge. On imagine bien que les classeurs ne sont pas indispensables, okay, tout le monde l'imagine. Pour autant, les papiers qui vont servir à imprimer les attestations de sortie me semblent aujourd'hui indispensables. Si la part des produits non alimentaires de cet hypermarché ne représente que 10% des ventes, Xavier Demacte se montre plus inquiet pour le rayon jouet. Une mauvaise nouvelle s'il devait être sacrifié à son tour juste avant les fêtes. La part du chiffre d'affaires évidemment de jouets se fait maintenant. Les achats ont déjà fortement commencé. Et le mois qui venait, le mois de novembre, est évidemment un des plus forts sur le jouet. On se pliera à la décision qui sera prise, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et puis on assumera les conséquences, comme les autres. La liste des produits interdits à la vente en grande surface devrait être annoncée par le gouvernement au plus tard demain matin.